Hello à tous, ravi de vous retrouver dans cette dernière édition de la Gazette de la Mobilité, votre JT hebdomadaire retraçant les news de la mobilité, du travel et de la tech. Comme vous pouvez le voir, on a changé de décor, on est venu se ressourcer pendant les fêtes au milieu des montagnes dans notre campagne grenobloise. Au sommaire du jour, Toyota lance sa navette autonome e-palette, une double annonce de l'entreprise Nuro et enfin le nouveau service d'Etihad Airways. On démarre ce JT au Japon où le véhicule autonome multimodal e-palette présenté l'année dernière lors du salon de l'automobile par l'entreprise Toyota sera bientôt mis en circulation dans la ville entièrement connectée de Woven City. Pour rappel, le Toyota e-palette est un véhicule autonome dédié à la mobilité multimodale autonomas. Un des principaux défis du géant japonais dans le futur sera de déployer des exemplaires dans les villages des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo afin d'assurer le transport des athlètes mais aussi du personnel en juillet 2021 prochain. Solution lancée par Toyota afin de réduire les temps d'attente des usagers et de fluidifier la circulation avec un système de gestion sophistiqué incluant un système de management des flottes à distance, modification des horaires en temps réel selon les besoins. Enfin, en cas d'anomalie, les véhicules seront tout de suite rappelés au dépôt et de nouvelles navettes de remplacement seront envoyées pour éviter ainsi toute interruption du service. On continue sur les véhicules autonomes avec cette fois-ci de la livraison autonome. Une double annonce pour l'entreprise Nuro, tout d'abord car elle a obtenu l'autorisation pour déployer un service commercial de livraison autonome en Californie dès début 2021. Dans un premier temps, Nuro réalisera ses livraisons avec les véhicules Toyota Prius autonomes, puis ses robots de livraison R2 prendront la relève. Ils peuvent circuler uniquement lorsqu'il fait beau et peuvent atteindre une vitesse maximale de 56 km par heure. La seconde annonce concerne tout simplement le rachat de la startup Iki Robotics par Nuro, malgré le fait que la startup se concentre sur le transport longue distance et Nuro sur la livraison du dernier kilomètre. Nuro va-t-elle éventuellement étendre ses services de livraison vers d'autres solutions de transport autonomes ? Affaire à suivre. Enfin, la compagnie Etihad Airways innove en se lançant dans le charter, un service d'affrètement pouvant concerner les passagers, du fret ou tout simplement la combinaison des deux. Une alternative innovante en raison de la pandémie de la Covid-19, Alex Featherstone, vice-président de la planification du réseau et des alliances chez Etihad Airways, a déclaré qu'alors que la crise sanitaire continue d'avoir un impact sur l'industrie de l'aviation commerciale, les vols charter offrent une alternative pratique au voyage, offrant aux clients la flexibilité de choisir l'heure de départ, la destination et l'itinéraire. Cela nous amène donc sur notre question de la semaine, et vous, lorsque vous pourrez de nouveau voyager, pourriez-vous essayer de nouveaux vols de type charter? Si oui, placez un colis en commentaire, sinon faites-nous savoir pourquoi. Et voilà, c'était le dernier JT de l'année, merci de votre fidélité depuis le lancement de ce nouveau format, des nouveautés arrivent très prochainement, donc pensez bien à vous abonner à la page. Comme d'habitude, si ce contenu vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker la vidéo, à répondre à la question de la semaine en commentaire. Pour les startups de la mobilité, vous pouvez me contacter sur mon LinkedIn. En attendant, toute l'équipe Ship & Co vous souhaite un bon réveillon. On se retrouve en 2021 pour une prochaine édition. Ciao !